Salut, salut. Je fais la balade des petits chiens. Je me balade dans le quartier. Je prends plein de chemins. Et en chemin, qu'est-ce que je rapporte? Je rapporte des plantes. Donc là, il y a un mec ici aux États-Unis, là, dans ces communautés. Quand tu élagues chez toi, quand tu jardines chez toi, le code, si tu compostes pas toi-même, c'est de, tu le mets sur le bord de route comme ça. Et il y a une compagnie d'élagage qui va venir le prendre, le ramasser une fois par an. Et s'il y a beaucoup, beaucoup, tu appelles la mairie et ils te le font rapide. Mais moi, je viens vers ça et tout ça, ce sont des boutures potentielles. Donc tu vois, l'arbre que j'ai autour de moi, c'est magnifique. Je crois que c'est un frangipanier. Bref, ben, je vais pouvoir le bouturer et je peux en faire 300 des boutures. Tu vois, il y en a partout. Et il y a plein d'arbres comme ça, c'est celui-là là-bas, qui vont arriver. Maintenant, j'ai fait une boucle, c'est le même que tout à l'heure, qui vont arriver à couper ça. Et à refaire plein de plantes. Donc c'est comme ça que je fais les pépinières aussi. Et dès qu'ils ont bien enraciné, etc., ben, je les envoie chez d'autres gens, je les plante, je leur trouve une famille, je leur trouve un endroit, un lieu. En tout cas, je prends du temps à créer du végétal. Donc c'est une perte, c'est un déchet pour certaines personnes, mais pour moi, c'est une richesse. C'est grâce à ça, grâce aux déchets des gens, que je vais créer mon habitat ici aux États-Unis. Donc grâce aux plantes, je vais aller à la rencontre des gens et je vais échanger, je vais titiller, jardiner avec eux. Et on va voir les échanges qu'on va avoir ensemble. Hop, hop, voilà. Et là, je garde leur chien. Hop. Ah, c'est dur avec le truc, excuse-moi. Je garde leur chien de Carlin. Et j'ai accès à une maison en échange pendant 13 jours. Voilà, c'est cool. Et donc, je fais ça et je jardine chez eux. Donc, je leur embellis leur jardin. Et ensuite, moi, je fais mes préparations de boutures. Et quand je pars, bah, j'en prends plein avec moi. Et si j'arrive pas à les placer entre-temps. Voilà, vive la vie, ciao.